Kikou tout le monde, Kimoman ici, et on m'a demandé gentiment, il va se reconnaître, hein, de faire une petite vidéo sur les professions. Vu que ma dernière vidéo, apparemment, il n'y avait pas de micro. Et mon montage allait très bien. Bon, vous avez plusieurs professions, comme vous voyez que j'en ai déjà quelques-uns en route, hein. Oui, c'est vrai, normalement je devais déjà à niveau 25, mais. Pff, franchement. Ce que je souhaite avec la joaillerie, c'est que ça veut bien fonctionner. Ah bah oui, je suis là. Vous avez des. Ouais, plus important, je vais directement aller ici, ça va être plus simple. Le renforcement d'armure, vous avez trois sortes. Faites attention, ça vous coûte des diamants. Toujours avoir des diamants sur vous. Et quand vous allez plus bas, vous pouvez voir les trucs de forteresse. Aussi, qui est très utile des fois. Les fameuses bagues et tout comme ça, et ça prend du temps. Et faites gaffe que vous ne les jetez pas, ce que j'ai déjà fait dans le passé. Comme vous voyez, vous avez encore, voilà, encore de renforcement, tout comme ça. Et si je me rappelle bien, si c'est toujours d'actualité, comme je ne l'ai pas encore débloqué, il faudra que je me renseigne ce niveau-là, vous pouvez les vendre. Et pour avoir un bon petit paquet de diamants. Voilà quoi. Pour le prochaine mise à jour, je sais pas si ça va être utile ou pas, j'ai aucune idée. Et normalement, les professions vont jusqu'à numéro 25. Mais ça, c'est le maximum. Qu'est-ce que je vais vous montrer avec celui-ci, ce qui est très utile et pas beaucoup de gens le savent. Je vais prendre toi, voilà, tu as 10 comptes, vous avez l'expérience que vous avez. Ah non, oh, d'accord, bon, je vais gaspiller des diamants. C'est ce que je fais pour vous. Hein. C'est ça. Et que ça augmente le temps, en fait. Ah, les vitesses. On fait ça. Voilà. Et vous avez ça. Voilà ce que vous pouvez voir au final. Mais je crois que sur PS4, c'est différent. Je ne suis pas sûr. Le truc ici. Pas sûr, lancer. Ah, voilà. Celui-là, je l'ai pas fait, ça fait 7 heures. Les autres, c'est 3 heures. Très utile à savoir. Mineur, lui, à l'époque, était super cool. Pour tout simplement, parce que vous pouvez avoir des diamants avec lui. Maintenant, ils ont enlevé ce système. Merci, Neverwinter. Utile pour avoir des sous-sous d'or, tout simplement. Personnellement, pour moi. Ce qu'ils proposent par la suite m'intéresse pas vraiment des masses. Oui, dans les coffres, vous pouvez voir certains petits trucs. Tout dépend. Je crois qu'il y a aussi qu'il fait des matériels pour la forteresse aussi. Je sais plus, lui, par contre. On va voir. Voilà, oui, il peut faire la forteresse aussi. Oh, bah tiens. Prendre 10 heures, bah. Allez, on ajoute un. Je peux avoir. Voilà ce que je peux avoir dans. Ce que je peux pas avoir dans le coffre. Voilà. On va le lancer. Par contre, le reste, je sais pas ce qu'il fait en fait. C'est comme je les monte pas mes professions. Conseil, montez-les. Ouais, je monte absolument rien du tout au niveau de mes professions. Et je l'avoue, ce niveau-là. Voilà. Par contre, ce que je vais faire, c'est vous montrer la forteresse. Il y a un endroit que vous pouvez aller, que j'ai découvert il y a quelques heures. Vu que c'est pas quelque chose que je m'intéresse. C'est un vendeur. D'après ce que j'ai compris, il vous donne des choses en retour pour augmenter ou quelque chose comme ça. Alors, qui peut être utile. Alors, par contre, si quelqu'un connaît des autres trucs sur des professions, dites-le-moi. Je connais pas grand-chose. Je dis que c'est pas quelque chose qui m'intéresse dans le jeu et le chargement va m'endormir. Allez. Allez, allez. Il n'y a pas 50 milliards de personnes connectées. Allez. Faites quelque chose pour vos chargements, par pitié. Je crois que le jeu pire niveau chargement que j'ai joué, ça a été, je crois que c'est... Ça a été Destiny. Voilà, ici. Vous avez ce petit monsieur là. C
Cette forteresse commence enfin à prendre forme. Vous ne trouvez non. pas ? Voilà. Et vous avez tous des trucs en bas qu'il faut. Pour avoir vos petites recettes. Et vu que j'ai rien. Et madame ici compte vous donne tout ça. Vous pouvez acheter ça avec votre truc de forteresse vu que on en a plus besoin en réalité. Peut-être pour la prochaine mise à jour, je sais pas. On va voir. Et voilà quoi, c'est tout ce que moi je peux dire pour les professions. Comme je dis, je fais pas beaucoup de choses avec les professions. Par contre, inventaire. Hop. Là vous avez. Non, pas là. Là vous avez tout. Ce qui est là, vous savez, faut savoir que ces petits messieurs peuvent aller dans la mimique s'il faut. Ça c'est utile. Pour certaines guilds quand ils sont tout petits. Ah voilà. Ça c'est tout ce que vous avez pour faire les professions et aussi vos armes. Ah. Tout ça c'est pour les armes. Moi ce qui manque maintenant c'est ça. Ah non. Le poudre de jade ? Non, c'est pas le poudre de jade, c'est toi. Ouais, c'est ça qu'il me faut. Mais j'arrive pas à en avoir. C'est bien ma bulle ça. Mais bon. Ouais, sinon, ouais, voilà quoi. Et vous avez dans le Zen Market aussi, vous avez. Je crois que c'est dans les packs. Je crois, je suis pas sûr. Je crois qu'il y a, un pack de profession. Les services, je crois que c'est dans celui-là. Il y a un truc avec les professions quelque part ici. Pour débuter. Je sais pas où il est. Je sais pas du tout où il est. Moi je sais qu'il y en a. Ah voilà, il est là. Il est là. J'ai pas envie d'acheter alors non. Non. Voilà ce que vous avez. Franchement, ça vaut pas la peine. Vraiment, pour le prix, ça vaut pas la peine. Parce que dans le jeu, vous pouvez l'avoir alors. Ah, il y a les matériaux. Hop. Ça aussi, ça vaut pas la peine non plus. Vous pouvez les looter, hein. Même les épiques, vous pouvez les looter comme ça de temps en temps par terre. Alors, ça sert à rien. Gaspillez pas vos zen là-dessus. Si j'étais vous, je gaspillerais plutôt mes zen dans tout ce qui est sublimation. Enfin, les sauts. Oh, c'est très intéressant que vous avez, comme moi j'ai au moins 15%. Sinon, les clés, ouais, bah vous avez pas le choix pour cela. Sinon, forteresse, non, ça sert à rien. VIP, bah ça, ça vous devoir. Et sinon, franchement, ça vaut pas la peine en réalité d'acheter quoi que ce soit dans cette Zen Market si vous êtes vraiment fanat du jeu et que vous voulez absolument mettre l'argent dans le jeu. Voilà, peut-être pour la confirmation de la configuration du personnage, mais franchement, voilà quoi, tu vois, ça franchement, ça sert aussi à rien, quoi. Parce que vous arrivez à niveau 70 et si vous venez justement de commencer, ça sert à rien d'être niveau 70. Il faut quand même tout faire. Au niveau de tout ce qui est... en fait, tout, bizarrement. Voilà. Mais comme je disais, voilà sur les professions. Comme je dis, je connais pas grand chose niveau profession. Si vous connaissez plus que moi, dites-le moi dans les commentaires. Oh, si vous avez des autres questions sur les professions, je peux toujours demander à ma guilde. Ok. Bisous, bisous.